bombe clat. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, moi c'est super. Et les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui a pour but tout simplement de vous présenter un genre assez spécial sur le jeu Clash of Clans. Mais tout d'abord, je tenais à ouvrir une petite parenthèse pour faire une dédiée à chacune des personnes qui sont entrées dans le clan, dans mon clan abonné. Voilà, donc je suis désolé pour les personnes qui n'ont pas pu rentrer dans le clan, parce que c'est vrai qu'on a été très vite 50, mais vous inquiétez pas, dès que la guerre est terminée, je fais un peu le vide dans le clan, comme ça, ça tourne un peu, comme ça tout le monde est content et c'est super. Donc voilà, donc je ferme ma petite parenthèse et nous revoilà pour le sujet de la vidéo. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter donc un joueur level 171 HDV4, donc qui est dans le clan Foster the Core, donc qui est un clan level 7 quand même, donc c'est pas mal, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ils sont 43. Et donc c'est Renonv, le chef, donc qui est level 171. Donc il a déjà 5000 dons de troupes donnés en 8 jours à peu près, ça doit être un truc comme ça. Et donc on va tout de suite aller visiter son village. Allez, donc là vous devez vous dire, what, mais c'est quoi ce village, comment il peut être level 171 alors qu'il a un si petit village? Et bah les gars, c'est normal, il a beaucoup de dons de troupes, donc il est à 518 240, donc c'est énorme quand même. Moi je suis qu'à 70 000, hein, donc pour faire une petite idée quand même. Donc il doit vraiment passer son temps à donner des troupes, à s'arracher la tête, à donner des troupes à fond les gars. Parce que 578 000 troupes, ça fait 578 000 XP en gros. Et moi par exemple du level 120 pour passer le level 121, il en faut 6 000. Donc vous faites le calcul, c'est vraiment qu'avec les troupes. Voilà, donc je tenais vraiment à faire cette vidéo de 1 pour vous le présenter, pour ceux qui ne le connaissaient pas, hein, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais de 2 surtout pour le féliciter, même si c'est un joueur américain, car j'ai oublié de le préciser, même si c'est un joueur américain, il ne va pas me comprendre si c'est le cas de cette vidéo, mais pour ceux qui me comprennent, on peut vraiment le féliciter, hein, parce qu'il vaut vraiment, il le mérite vraiment, je trouve, il a décidé d'avoir un autre style de jeu que les Clashers. Genre c'est un clasher, mais il a un autre style de jeu que nous. Lui c'est vraiment, il veut monter en level juste en faisant des dons de troupes, alors que nous c'est en montant les bâtiments, etc., etc. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez au petit like, surtout ça me ferait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars.